Le premier action sera lancé mercredi 1er août au célèbre Pinewood Studio de Londres. L'épisode 9 de Star Wars, au titre encore inconnu, qui retrouve le réalisateur de l'épisode 7J. J. Abrams a levé le voile sur le casting de ce film qui viendra clore la troisième trilogie galactique née de l'imagination de George Lucas. La quasi-intégralité des acteurs à l'affiche des derniers jeudis reprennent leur rôle de Daisy Ridley, re, à Adam Driver, Kylo Ren. Ils sont rejoints par les comédiens britanniques Naomi Aki, vue dans The Young Lady, et Richard Grant, ainsi que par l'américaine Kerry Russell, The American. Le communiqué annonce également le retour des vétérans Mark Hamill, Luke Skywalker, Anthony Daniel, C-3PO, B.D. Williams, Lando Calrissian, ou encore celui de John Williams à la composition de la bande originale. Surprise, le nom de Carrie Fisher apparaît également alors qu'il y a encore quelques mois, la présidente de Lucasfilm affirmait que l'actrice décédée en décembre 2016 ne serait pas dans ce 9e épisode. Même si nous n'avions pas commencé le script, nous savions déjà où nous voulions aller pour le 9e opus, mais nous avons tout revu en janvier, avait-elle déclaré en avril 2017. Le scénario a visiblement de nouveau changé de direction, car Leia Organa sera donc bien là, prête à en découdre. Nous aimons profondément Carrie Fisher. Trouver une conclusion satisfaisante à la saga des Skywalker sans elle nous a échappé. Nous n'allions jamais recaster le personnage ou utiliser une version digitale, a précisé J. J. Abrams. Avec le soutien et la bénédiction de sa fille Bi, nous avons trouvé une manière d'honorer l'héritage de Carrie et son rôle de Leia en utilisant des scènes inédites que nous avions tournées pour l'épisode 7, a-t-il encore détaillé. Reste à savoir comment ces séquences seront intégrées au résultat final. Cet épisode 9, qui a pris du retard après l'éviction du réalisateur Colin Trevorrow au début de l'année, doit permettre à Disney de relancer la machine Star Wars, à l'arrêt depuis le demi-échec du spin-off consacré à Han Solo, sorti en mai. D'autres films centrés sur Obi-Wan Kenobi et Boba Fett seraient en préparation. Mais les studios souhaiteraient prendre le temps pour éviter une nouvelle douche froide au box-office et auprès des fans. Aucune date de sortie n'a donc été annoncée. Celle de l'épisode 9 est en revanche à noter dans vos calendriers, le vendredi 20 décembre 2019 aux États-Unis.